Fontenay-Roy est une photographe qui est née au Canada, qui vit en France depuis 17 ans. Elle a 40 ans maintenant et elle développe un univers très particulier autour de sa propre personne qu'elle met en scène. Donc toutes les photos qui sont présentées ici, c'est elle sur la photo. C'est elle qui est tantôt rousse, tantôt blonde, tantôt brune, avec un univers très particulier puisque dans ses mises en scène, elle s'inspire beaucoup de cinéma et de films américains, surtout pour cette série qui s'appelle Enter as Fiction, où elle est allée travailler dans le désert américain, dans des endroits comme Los Angeles, San Francisco, et elle développe tour à tour l'image d'une femme mystérieuse, l'image d'une femme perdue sur un chemin, ou l'image d'une femme qui se moque un peu de la société aussi de consommation. Donc c'est un univers très très étonnant et très coloré, très pop, très acidulé, mais avec une certaine touche de gravité par moment. Il y en a plein qui sont extraordinaires, mais je pensais que celle-ci était intéressante parce qu'elle montre aussi la dimension supplémentaire qu'ajoute Courtney Roy, cette photographe canadienne, à ses images, à savoir qu'il y a aussi en arrière-plan, il n'y a pas seulement le côté effectivement American Way of Life, c'est-à-dire qu'on est sur la piscine, on est certainement, ça pourrait être la Floride et tout ça, mais il y a aussi une petite critique en arrière-plan de la société américaine, de ces femmes qui sont quand même très ridées. Et d'ailleurs, sa dernière, toute dernière série The Tourist traite de ce thème-là. Donc on est à la fois dans c'est extrêmement bien fait, c'est toujours très bien éclairé, elle est toujours parfaitement maquillée, parfaitement habillée parce que c'est vraiment une professionnelle et au niveau de l'autoportrait, mais elle fait des fois intervenir des personnages extérieurs et on sent derrière une intention quand même de se moquer un petit peu. Il y a un côté acidulé mais des fois un peu doux amer.